Bonsoir à tous. Le week-end se terminera sans surprise, hélas. La grisaille est tenace et après avoir plombé le ciel sur la moitié nord toute la semaine, c'est sous les traits d'une perturbation qu'elle nous concernera demain. On voit bien cette longue écharpe nuageuse qui s'étire des côtes norvégiennes au golfe de Gascogne. Ces nuages s'enroulent autour de la dépression au sud du Portugal. Et comme il y a quand même de hautes pressions, la perturbation n'avancera pas rapidement. On la retrouvera demain matin des régions du nord aux Pyrénées et les pluies seront soutenues en Normandie et vers le Nord-Pas-de-Calais. À l'avant, on attend un petit peu de brouillard sur l'Alsace. Sur la façade est, les éclaircies domineront. À l'arrière de la perturbation, la Bretagne retrouvera de belles périodes ensoleillées et elles auront tendance à s'étendre dans l'après-midi. En effet, au fil des heures, les éclaircies gagneront le nord du pays. On retrouvera notre mauvais temps de la frontière belge aux Pyrénées. Les pluies seront un petit peu plus marquées au nord. Ailleurs, ce sera surtout de la grisaille. Enfin, dans l'est, les nuages vont devenir de plus en plus épais. La couverture nuageuse aura pour avantage de faire remonter les minimales. Dans l'est, elles seront donc un petit peu plus élevées que celle de ce matin, avec 3 degrés prévus à Mulhouse. Ce sera le contraire dans l'ouest. On perdra quelques degrés, il fera 5 degrés à Brest et le réveil sera plus doux à Perpignan avec 12 degrés. L'après-midi, Biarritz verra ses températures chuter. Il a fait 20 degrés aujourd'hui. Demain, il ne fera que 13 degrés au meilleur de la journée et la maximale sera pour Ajaccio avec 18 degrés. Pour la suite, c'est assez simple. On regardera passer successivement les différentes perturbations. Le sud-est, lui, s'en sortira bien. Mais à partir de jeudi, le temps sera gris sur l'ensemble du pays, avec des averses un peu partout. Quant aux températures, elles baisseront à l'approche du week-end. Ce soir, ne ratez pas la série créée par Steven Spielberg, Terra Nova, c'est à partir de 20h50. Tout de suite, le journal de la rédaction présenté par Nathalie Renoux. Belle soirée à tous sur M6.